Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, alors je sais pas si vous le voyez mais j'ai mis un t-shirt exprès de Lucifer parce qu'aujourd'hui on fête Halloween et pour l'occasion je me suis dit que j'allais vous faire un tag. Je suis tombée sur le tag de la chaîne Margot Liseuse qui est le Evil Tag. Les questions viennent de Vladibook, c'est un tag sur les méchants Disney donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire ça avec vous. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un tag sur ma chaîne. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. On est parti. Savoir que j'ai pas du tout préparé les questions donc si j'hésite un petit peu ou quoi... c'est normal. La première question est ton ou ta méchante préférée? J'en ai deux. Mais je pense que ma méchante préférée, et ça on peut le dire, c'est Yzma, donc Yzma de Cusco, qui me fait mourir de rire et que je trouve absolument excellente dans son rôle. C'est une méchante très drôle, que je ne prends pas trop au sérieux, j'avoue. J'aime beaucoup Ursula aussi, mais pas du tout dans le même genre. Faut croire que j'aime bien les méchants à la peau violette, tout ça. Si je devais choisir un méchant masculin, je pense que je choisirais Frollo, parce que pour moi, c'est l'un des plus sadiques. J'aime beaucoup le bossu de Notre-Dame, et je trouve que le film ne serait pas du tout pareil sans lui, parce que c'est quand même un méchant ultra charismatique. Question 2. Une musique de méchant qui t'a percuté dans le bon ou dans le mauvais sens du terme? Je pense que les deux chansons qui m'ont le plus percuté, oui je suis comme ça, j'ai du mal à faire des choix, hein, m'en voulez pas, c'est Pauvre âme en perdition de Ursula. La chanson où on a Ariel dans la grotte, parce que je trouve que c'est une chanson qui est vraiment pleine de paroles. Je pense que c'est vraiment une chanson qui en impose comme Ursula. On sent vraiment que c'est méchante quoi à ce moment-là. Et ma Infernale de Frollo. En fait, c'est une chanson que j'ai redécouverte parce que quand j'ai vu le film la première fois, j'avais pas du tout compris ça comme ça. Et en fait, c'est vraiment la chanson en fait où vous comprenez que Frollo désire Esmeralda malgré le fait qu'il soit raciste et qu'il la déteste. Et c'est cette ambivalence que je trouve vraiment intéressante. Petit 3, le ou la méchante que tu trouves ridiculement drôle. J'aurais pu vous dire Yzma, parce que bah... Yzma me fait hurler de rire. Je pense que si on essaye de diversifier un petit peu, je choisirais Capitaine Crochet. Pourquoi Capitaine Crochet? Parce que avec Tic Tac, il me fait mourir de rire, je sais pas. Personnellement, j'ai énormément de mal à le prendre au sérieux. Il y a aussi Skinner de Ratatouille, donc le chef cuisinier un peu ma boule dans sa tête qui voit des rats partout parce qu'il est super marrant. Puis en plus, un méchant Pixar, c'est quand même assez rare, donc voilà. Un ou une méchant que tu trouves vraiment diabolique? Alors, pour moi, le méchant le plus diabolique, ça doit sans doute être Shanyu de Mulan, qui file les jetons de par son allure et qui est aussi extrêmement tordu. Je veux dire, il s'en prend quand même à l'empereur pour pas grand chose à la finale, donc bon, il est quand même assez diabolique et sournois dans son genre. Alors, la question 5, c'est un ou une méchante que tu adores détester? J'aime bien les méchants en général, du coup, c'est pas forcément évident de trouver une réponse. Le méchant que j'adore détester, Frollo, Ursula, ce genre de méchant en fait. Ce sont mes méchants préférés donc c'est pas très compliqué non plus. Petit 6, un ou une méchante que tu trouves très stratégique. Je dirais Hans de la Reine des Neiges, bien que pour moi ce soit pas réellement un méchant. Il met quand même toute une stratégie en place pour essayer de prendre le trône alors qu'il n'est que le 13e sur la liste et je trouve ça assez intéressant. Du coup comme il a un visage très très gentil, vraiment de prince idéal, bah forcément on se méfie pas de lui. Et bien joué Hans. Un ou une méchante, bah dis donc j'y arrive pas, que tu trouves psychédélique. C'est un peu particulier ça comme question. Hein. Je partirais sur Evil Queen je pense. La méchante reine dans Blanche-Neige et les 7 nains. Un ou une méchante que tu trouves sombre. Donc si je vous dis un méchant que je trouve sombre, je pense que ça étonnera personne si je vous dis le maître des ténèbres, le seigneur des ténèbres de Taram et le chaudron magique. Parce que bon je me répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais c'est très clairement le méchant qui me fait le plus flipper, que je trouve le plus dark dans toute l'industrie Disney. Et donc voilà, donc je pense qu'il mérite bien son titre. Un ou une complice de méchant que tu trouves assez drôle. Bon alors là, je sais tout de suite de qui il s'agit, c'est pas très compliqué pour moi, c'est Kronk. Kronk est le meilleur complice drôle de Disney que j'ai jamais vu. Donc si vous connaissez pas Kronk, c'est l'acolyte d'Yzma dans Cusco. D'ailleurs il a sa propre suite puisque dans Cusco 2 c'est le personnage principal et il est génial. Et enfin, 10e question, un ou une méchante que tu ne trouves pas assez présente dans un film Disney? Je pense que les derniers méchants Disney n'ont pas vraiment la place qu'ils méritent. On essaye de nous faire des méchants Disney dont on dévoile l'identité au dernier moment. Et j'avoue que pour ma part j'aime beaucoup les méchants qu'on connaît dès le départ et qui ont une aura en fait dès le début du film et dont on sait que c'est les méchants et qui ont un charisme qui va avec. Du coup, je pense que pour moi le méchant est le plus effacé, qui est pas assez présent dans un film Disney et qui personnellement ne m'inspire pas du tout le respect, c'est Bellweather. Donc l'adjointe au maire dans Zootopie, parce que bah on a voulu nous dissimuler que c'était la méchante du film, ça je le conçois, donc forcément bah elle doit rien laisser paraître, un peu comme Hans en fait, mais c'est vrai que ça vaudrait le coup qu'elle soit plus mise en avant et qu'on la respecte un peu plus, parce que là franchement aucun respect quoi. Limite j'avais plus peur des gens qui travaillaient pour elle. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour moi pour cette vidéo, ce Evil Tag. Je vous mets les questions en barre d'infos, n'hésitez pas à y répondre en commentaire, histoire qu'on compare nos réponses etc, c'est toujours intéressant.
intéressant. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est toujours cool de compter de plus en plus de membres de la Disney Army sur Disney Tubeuse. Et en attendant une prochaine vidéo, ma Disney Army, prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous. Joyeux Halloween. Confiance. Abonne-toi.